Et eh bien salut à tous, c'est Matt en compagnie de Flo. Salut. Et on se retrouve sur la 15e, c'est bien ça? Ouais, 15e étape de cette Vuelta. On arrive alors que c'est Andrea Amador qui va aller chercher les points du Grand Prix de la Montagne aujourd'hui sur ce seul col répertorié. Ouais. Personne ne va le contester. Jérôme Coppel va passer en 2e position. Constantin Chouchou en 3e position, Pardy à 4e. Seitz 5e. Il y a eu des contreurs qui sont partis avec Julian Arredondo, Maxime Boué et... Maxime Montfort, Warren Barguil était avec ce groupe-là, mais je crois qu'il s'est un peu relevé. Sanchez et sauve les meubles. Ça va. Sanchez est en train de se replacer en première position, alors que David Arroyo va aller le protéger maintenant dans cette descente pour le replacer avant la dernière petite bosse. Ça risque d'arriver encore avec les meilleurs. Un des meilleurs va gagner, et donc pour le maillot vert, ça risque d'être pas mal pour eux. Peut-être regarder les écarts, vu qu'il y a pas mal d'échappés. Chute du leader de la Katusha, Joaquin Rodriguez devrait être attendu par ses coéquipiers. Peut-être regarder où il se situe. Ah, on a perdu Rodriguez. Attends. Dans le maillot vert là. Ouais, il est là. Alors, Joaquin Rodriguez qui a chuté lourd. Ouh! Et ça va être un contre-la-montre par équipe là. On sait que Joaquin Rodriguez là, s'il est deuxième au général, et il paraît assez éloigné. Rodriguez, mais attention, parce que s'il sauve les meubles aujourd'hui, ça va être plus difficile maintenant dans ce PSM 2014 d'être meilleur les autres jours. Et pour l'instant, on voit Carlos Alberto Betancourt, on nous signale, passerait pour l'instant provisoirement 3ème. Ouais, ça va revenir, je pense. Ça va revenir aussi. Ou encore une chute, Mallory. D'Adriano Mallory, l'ancien champion d'Italie du contre-la-montre. Rodriguez qui lui roule dessus, il est juste à côté. Peut-être mettre une caméra d'hélico pour voir un peu comment se situent les... Voilà. Ah, ils sont quand même assez loin, hein. Assez loin. Est-ce qu'on a encore un groupe, encore un autre? On a le peloton qui est là. Sachant que c'est en train de casser, et là ça, il va avoir encore, quand ça va revenir sur le plat, ça va pas mal se casser. On voit Luis Leon Sanchez très bien protégé par Arroyo, qui a du mal dans cette descente. Et regardons peut-être les faits de course, 2 minutes d'avance sur le groupe de tête pour l'échapper, peut-être se remettre sur une caméra normale. Peut-être les motos ça peut être intéressant. Se mettre derrière le peloton, genre pour voir si quand il va arriver. Le petit, voilà, on va rester là. On va voir quand Joaquin Rodriguez va rester, alors que Farming a plutôt du mal, on va dire. Et on voit, regarde, 3 minutes de retard maintenant pour Rodriguez. Encore la Kona, on va changer de caméra parce qu'on va rien voir comme ça. On a la Kona et Jalinghi. Ils sont déjà repartis ? Non, c'est devant. Nochentini qui est tombé avec. Ouh, par contre, Morabito, Steve Morabito. Et du coup, ça va être un groupe de 16. Et je pense pas que ça rentre, clairement. Hein, parce que beaucoup de shoots aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un qui ait mis du. Ouais, est-ce que quelqu'un aurait pas mis des clous un peu sur la route ou des... Non, sinon il y aurait des petits problèmes. En tout cas, Luis Leon Sanchez à 13 km de l'arrivée qui vient se replacer. Peut-être un effort curseur pour le coureur. Pas trop fort quand même, bien protégé par David Arroyo qui va prendre son gène énergisant, on annonce à l'oreillette. En tout cas, 5 comme sont encore en tête, 1 minute d'avance sur le peloton qui est bien amené. Contador qui part, personne ne va le suivre, si c'est Carlos Betancourt qui va le suivre. Carlos Betancourt qui a fort à jouer, lui qui pourrait passer sur le podium aujourd'hui, vu que clairement, Joaquin Rodriguez sera le grand perdant du jour, il ne sera pas revenu sur le peloton. Et ça par contre c'est très très cher pour lui. Et Contador, il retourne avec Contador qui repart encore avec Betancourt. Evans par contre qui essaye de se mettre dans la roue. Quintana lui qui a plus de mal. Est-ce que Froome n'aurait pas parti? Froome ne serait pas parti, il préfère monter à son rythme. Non, c'est tu devrais baisser le rythme de Luis Leon Sanchez à 80 parce que voilà, je sais pas où est Froome là. Même Ouran n'est pas encore parti. Froome est là. Ouran est là. Ouran est quand même plus devant. En tout cas, 6 hommes sont en tête. Et je vois bien une attaque peut-être sur la côté droit de Quintana. Quintana, qui se repositionnait en bonne position, Nairo. Quintana, assez bien. Peut-être faire un petit zoom là. Vas-y. Un zoom. Voilà, top. Contador, Betancourt, Quintana. Et Evans qui s'accroche. Evans qui s'accroche. Du mal pour Chouchou Pardilla, alors que Ouran est juste là. Luis Leon Sanchez qui a un peu plus de mal. On m'annonce Luis Leon Sanchez, alors que Fabio Aru est là, je crois. C'est Fabio Aru. Non, c'est Caruso. Ouais, Fabio Aru. Ah, c'est vrai, j'ai du mal à mettre. Pino qui est revenu. Eh ouais. Et ça revient petit à petit. Froome revient. Qui est là aussi.
Il y a plus de mal pour Luis Sanchez quand ça monte comme ça. C'est sûr. Pas de problème. En tout cas, Contador, ça devrait se jouer entre Contador, Betancourt ou Quintana Contador, qui va être défié par deux Colombiens maintenant, alors qu'on passe sous la banderole des 5 derniers kilomètres, la banderole Vittel. 5 derniers kilomètres, qui vois-tu, toi, entre ces trois? Contador. Je veux voir Contador devant Quintana, je vois bien. Ouais, Betancourt, Quintana, Betancourt qui paraît assez bien. Contador en dernière position, il laisse faire au Colombien, alors que Arroyo paraissait très très bien. De Betancourt, hein. Ouais, et Contador, Betancourt, tout de suite. Quintana et Contador et Betancourt qui s'est peut-être fait casser tout seul parce que Quintana et Contador partent tous les deux. Betancourt qui ne sera pas sur ce final, du moins il paraît être un peu plus. Et Contador est en train de reprendre du temps. Contador. Une minute d'avance, hein. Attention, sur Evans. Sur Evans, Froome qui est parti, Uran qui est en train de lâcher peut-être son maillot rouge au profit d'Alberto Contador, Nairo Quintana et Carlos Betancourt qui eux veulent gagner des places. Est-ce qu'on va peut-être essayer, on regardera tout à l'heure combien on aura perdu de temps Joaquin Rodriguez. En tout cas pour l'instant c'est Carlos Alberto Betancourt qui a lâché, Contador semble être un peu moins fort que Nairo Quintana. 1 km de l'arrivée, Quintana qui va bientôt lancer son sprint, Contador qui ne pensera, je ne pense pas, le dépassera, c'est Nairo Quintana qui va aller chercher la victoire. Nairo Quintana, 5e au général, je crois que c'est 5e, ouais. 7e au général, va se replacer. Contador, et là va falloir regarder le temps entre Contador qui va arriver en 20 secondes et. Voilà, avec l'arrivée maintenant d'Evans. Evans qui finit à une bonne 5e place. Uran qui perd 2 minutes. Uran qui perd 2 minutes. Ça va se jouer à pas grand chose. Rodriguez qui va qui sprint. Il est très très bien remonté. Mais il va quand même terminer à 4 minutes. Quasiment 4 minutes. 4 minutes, ouais. À 4 minutes. Et toujours pas de Luis Sanchez qui va arriver que maintenant. Ah, oh, peut-être qu'il aura quand même pas mal, ouais, pas trop perdu. Il finit avec Rodriguez quasiment. Il finit quasi avec Rodriguez en tout cas. Rodriguez qui est le grand perdant du jour. Lui qui était 2e ce matin. Il va quand même, je pense, être 5-6ème. Ouais. Bah regarde, on cherchait Fabio Aru, bah le voilà, 8ème. 8ème, Fabio Aru, juste derrière Thibaut Pinot, qui paraît être un peu en dessous quand même que du duo Quintana-Betancourt. En tout cas, Quintana qui vient chercher une belle victoire d'étape aujourd'hui. C'est la première aussi. Pour lui, il me semble bien. Je crois sur cette Volta-là, c'est la première. En tout cas, très très belle victoire. On voit Nairo Quintana qui lève même pas les bras. C'est si podium. Non, elle va pas dire résultat. Résultat. Ouais. Alors voilà, cette Vuelta, Quintana qui dompte les montagnes, Quintana, alors que Uran possède maintenant 29 secondes d'avance sur Alberto Contador, Carlos Alberto Betancourt qui se rapproche, 3ème à 1.32, 4ème place pour Dan Martin à 3.23, pardon. Froome qui est encore plus là que jamais, 5ème à 3.39, lui qui est maintenant tout proche, à 2 petites minutes d'un podium. 6ème place pour Nairo Quintana à 3.44. Joaquin Rodriguez qui était 2ème ce matin à 2 minutes se retrouve à 7ème, quoi. À 3 minutes 7.40. Dans son malheur, il y a eu de la chance que quand même que Uran ne soit pas en forme. Ouais, parce qu'imagine, Uran on a encore repris du temps sur, sur Contador et compagnie. Contador, franchement, il peut gagner. Cas, meilleur qui se fait rapprocher de très près par un compatriote, Cadel Evans, qui est tout près de se mettre sur un top 10. Ça serait beau pour sa carrière. Cadel. On sait que Cadel, il a remporté quand même un Tour de France. Un petit top 10 en fin de carrière sur la Volta, ça peut être bien pour lui. Ça peut être bien. Moi, je préfère quand même Cameron Mir. Fabio Aru est juste 6 secondes derrière Evans. Ouais. Alors que déception pour Luis Sanchez qui se retrouve maintenant à la 26ème place. Mais en tout cas, il est très très proche de la 20ème place, hein, il faut le dire. Ouais. Sachant qu'il y aura encore un contre-la-montre. Tout peut se jouer encore dans cette Vuelta et c'est ça qui est bien. On va peut-être regarder les différents classements respectifs. La montagne, Contador, qui est passé premier. Très belle place de Pello Bilbao qui est troisième quand même, faut le dire. Même s'il n'est pas premier, il montre quand même qu'il a envie et qu'il a du cœur à l'ouvrage. Vas-y, tu peux passer maintenant au point. Carlos Betancourt, un point. Un point à l'avance sur Rodriguez. Il lui est passé devant. Chez les jeunes, bah, c'est Betancourt. On a vu ça. Et niveau équipe, j'ai bien envie de le voir. Mauvais start toujours. Et nous, 16ème. Devant Garmin et Omega Pharma Quickstep. Toujours, Et c'est beau que la Carrera Rural ne soit pas dernière parce qu'elle devrait être dernière sur le papier, clairement. C'est vrai, quand on voit la FTG, il devrait pas être là, la FTG, quand même. Ouais, mais avec un Pinot pas en forme et une équipe beaucoup plus centrée sur Nasser Bouhanni et sur le sprint. En tout cas, nous, on va rendre l'antenne pour cette 15ème étape. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette étape vous aura plu. Et nous, on se retrouve très bientôt, même demain. Salut. Ciao.